Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode sur la map Castelnau. Alors je crois bien que c'est l'un des seuls, parce que en fin de compte on a fait que des lives jusqu'à présent. Et donc du coup aujourd'hui on est toujours parti pour des contrats évidemment. On a acheté tranquillement, pour ceux qui n'auraient pas vu les lives et tout, on a acheté tranquillement nos premiers outils. Donc du coup la moissonneuse, ce tracteur là, la masse, la charrue, un autre acassin, le broyeur, le semoir, la ramasseuse à cailloux, donc il nous manquera le rouleau. Et effectivement, le premier champ. Et donc du coup, je pense que ça se fera probablement demain soir en live. On verra, ce qu'on va faire, c'est que on va estimer combien ça nous coûtera. C'est-à-dire que vous savez qu'on utilise la roulette, maintenant la roulette russe. Et donc du coup, on verra si on tombe sur un champ qui est correct ou un champ démesuré. Tu vois, du genre celui-là, là, le 33, un champ qui est énorme. Donc on verra après si on n'a pas la thune, ma foi, on aura tiré le champ déjà et on verra pour se l'acheter quand on aura l'argent. Ce que je crains par contre, c'est de tomber sur la roulette pour un prix. Et là, on n'est pas du tout équipé pour un prix, mais voilà, on mettra de côté une nouvelle fois, on achètera un matériel et ensuite on se fera ça gentiment. Donc voilà, un gros contrat à 12 ou 14 000 celui-ci. Donc normalement on devrait avoir le temps nécessaire aujourd'hui pour le feu. Et on verra par la suite ce que ça donnera. Pour le moment, en ce qui concerne le serve, je laisse à 6 slots tant qu'on n'a pas récupéré Monsieur Kayak. Et tant que je ne lui ai pas décidé parce qu'elle veut venir, et puis après elle peut pas parce qu'elle a pas le temps, et puis du coup de toute façon ça se fera, mais on basculera le serveur à 8 slots quand tout le monde sera là. Hein. C'est un chassé croisé ici. Chris va revenir, Maki va partir pour 3 semaines. Il fait des grandes vacances à Maki. Hein. Faut quand même pas déconner. Ah, il abuse. Hein. Il faut qu'en 3 semaines en Italie, il abuse. Et du coup, la semaine pro, en tout cas dans mon cas, j'avancerai peut-être moins fortement parce que si je vous dis pas d'imbécilité, si ça a pas changé d'ailleurs. Normalement la semaine prochaine il fait beau, donc on va peut-être pouvoir enfin attaquer les regains cette fois-ci. À part si ça change, attends. Oh, ça a déjà changé pour lundi. Bon, j'ai rien dit. Alors peut-être, mais on va quand même passer de, allez, on va dire entre 20 et 23 degrés à 29 et 31 degrés. Je suis pas prêt pour ça, moi. Ah, je déteste ce temps-là. C'est de la merde. J'aime peu ce. Mais bon. Voilà, donc si s'il renonce du beau, doutez-vous bien que ça y est, ça va repartir, ça va y refoutre. Ça va être pour les regains cette fois-ci, et puis le semis du couvert végétal. Et donc du coup, moi, de mon côté, ça avancera un peu moins vite. Après, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est peut-être aussi bien, parce que quand je vois ce qu'on arrive à faire en une soirée, quand on est 6 sur le serve. Déjà la première soirée, et vu comme c'est parti, je me suis dit la série dans un mois elle est finie quoi. Et en fait non, c'était parce que c'est vrai que c'était le début de la série, que on était 6 sur le serve, et du coup après ça s'est calmé derrière. J'ai envie de dire tant mieux, hein, parce que vu comme c'était parti. Et puis là, au moins, si quelqu'un veut faire un petit peu d'autre chose, il peut faire un peu d'autre chose, et puis ça ralentit un peu le truc. Donc c'est pas plus mal. Et d'autant plus que on n'est pas pressé, parce qu'effectivement il n'y a pas de map moi qui me tente pour l'instant. On vient de la commencer, donc tranquille. On est encore pas au bout, hein. Mais effectivement, si on avait bourré comme ça à 6 tous les jours, je pense que là déjà on serait déjà plus loin que où on en est pour le moment. Mais bon, enfin, tranquille, ça va se faire. Ça va se faire tout seul. Donc voilà un petit peu pour ce qui va se passer là les prochains jours sur la série. On va tâcher de trouver le premier champ et puis voir plus tard. J'ai upload le mode qu'il nous fallait. Donc ça doit être dans, je ne sais même pas dans quoi c'est. Des trucs du maïs plus, c'est peut-être dans divers. Ou c'est un truc à placer plutôt. Donc ça c'est le truc à acheter, mais il y a un autre truc. Attendez, parce que même moi j'en sais rien. C'est où les trucs à placer, je me rappelle plus. Ah, peut-être. En quoi c'est? Ah, c'est ça, voilà, 5000 balles. Donc il faudra placer ce truc-là. Donc c'est pour faire du concassage, si je dis pas d'imbécilité.
pour les gouris. Il y aura ça à placer aussi, on va trouver une petite place. Et on se fera ça, et du coup je ne sais pas si John a gardé du maïs. 4500. 5600 de tournesol, 1655 de soja, ok. On a un petit peu, on va faire un petit peu pour les gouris. Normalement ils n'ont pas tout bouffé. Ce que j'ai mis, ok, tout va bien. Bon, on n'a pas une... Ah, du coup, il n'y a pas de santé. Bah, yes. Il n'y a pas de paille non plus. Ça, c'est pareil. Il faudra que je regarde si on peut récupérer un contrat à paille. Pour s'occuper un peu plus des gris. Et puis voilà. Ça va se faire gentiment. Après, en termes de fumier, lisier, on ne doit pas avoir grand-chose non plus. Lisier, 80 litres. Il n'y a pas de... Yes. Il n'y a pas de fumier parce que de toute façon... Je ne sais même pas si on aura du fumier. Apparemment, il y aurait du lisier. Pour le moment. Et comme j'ai pas fait la paille, bon, non, c'est absolument rien. Donc on va s'occuper des grilles. Et puis premier champ, et puis voilà, et puis ça roule. Ça roulera pour l'instant. On a une tripotée de contrats. Je sais pas si on attaque par le fait d'acheter le champ ou si on achète une faucheuse. On verra. On verra bien. Parce que là, on a une tripotée de contrats de pressage là. Ça peut être sympa, ça. Un gros chantier de pressage demain. Ça peut peut-être se faire. Mais du coup, là, dans ce cas-là, il nous faudrait une faucheuse dessus. On n'est pas obligé de prendre la faucheuse avant tout de suite, mais au moins une arrière. Il nous faudrait une faucheuse. Suivant les contrats, ben, andaineur et puis presse. Puis rebaneuse. Donc là, soit on est obligé de faire un prêt ou je sais pas, on verra. Ou soit on prend le matériel du contrat. Et puis dans le cas du foin, bah, il faut faucheuse, pirouette, andaineur, presse. Donc, Ah, puis là, c'est pas moi qui vais avancer aujourd'hui. Parce que moi, je tourne la vidéo aujourd'hui. Donc, à part si je la mets demain, je sais pas. On verra. Enfin, je pense que je vais la mettre aujourd'hui. Donc moi, je le tourne jeudi, le même jour qu'elle va être upload. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est mort. Hein. Je ferai pas de farming, je suis pas à la stapre. Je vais faire le goujat, comme dit mon papa. Je vais faire du ciment. Et puis, alors, puis après j'ai regardé notre staff. Non mais aujourd'hui j'ai eu le plein tarif. C'est-à-dire que on n'a pas de boulanger parce qu'il est en vacances. Donc j'ai fait une analyse de lait en plus. Donc il a fallu que je mène les analyses de lait. Il a fallu que j'aille au pain. Et un truc qui n'était pas prévu, il a fallu que je fasse le déménageur pour ma tante. Là il faut que je fasse le goujat. Après il faut que je fasse le carte d'identité. Et puis après, je vais peut-être réussir à bosser un petit peu pour la ferme. Ah, bah si, ce matin, j'ai quand même fait l'analyse de lait. Mais le temps de faire les analyses de lait, de les emmener et tout. Et ben, assez complet aujourd'hui. Hein. C'est toutes des journées que j'aime pas, tu vois, c'est promener son cul. Parce qu'il a fallu je fasse 20 bornes ce matin. Enfin, 20 bornes aller-retour. Enfin, peut-être pas 20. Allez, on va dire 15 aller-retour. Non, 15 aller et puis 15 retour, pardon. À la stop, faut que j'aille à plus d'une demi-heure de route. Donc je revienne. Faut que je reparte à 5 bornes pour faire la carte d'identité. Faut que je revienne chez moi pour me rechanger et repartir chez mon père. Ah non, c'est les journées que je déteste. Ah, si j'aime pas ça. Enfin, Dieu, si j'aime peu ce. Mais bon, faut le faire. Donc ouais, c'est pas moi qui vais trop avancer aujourd'hui sur farmage. Hein. Donc on verra si on peut tout acheter demain ou... Parce qu'admettons, on va faire un devis. On va faire un devis tout seul. Faucheuse, c'est où? Faut déjà que je trouve les faucheuses parce que je suis handicapé. Admettons, on prend une faucheuse arrière, on prend... Donc là, c'est 22 000. Là, c'est 18 000. Alors, admettons, 18 000. Après, la girouette. Hors de question qu'on prenne celle-là. Donc là, c'est 16 et là, c'est 16. Alors, 18 000, ça fait 28 000. Ça fait 34 000. L'andaineur. Ah, franchement, un andaineur. Une toupie. Si t'es tout seul en damnée, c'est la zermie. Hein. Donc soit on achète deux comme ça, soit un comme ça. Admettons, on va dire deux comme ça. J'en étais à combien? 34 000. Donc ça fait 42 000. 42 100 même. Donc ça fait 50 200. Et la presse. Donc soit 45 000. Ah non, on avait dit la cucune. Bah on l'a la cucune, je suis con. On l'a déjà, my bad. My bad, on l'a déjà. Donc ça fait 50 000 des bananes, je me rappelle déjà plus de ce que j'ai dit, c'est terrible. Ah si, ça se fait. Si, on peut faire ça. On achète deux andaineurs simples.
Ah mais on n'a pas de tracteur. On a que de tagazou. Bon après on prend un tracteur de contrat ou deux tracteurs de contrat puis tout va bien aller. Si on peut faire ça. Demain ce qu'on peut faire c'est acheter le matériel de fainaison. Et puis ça roule. Puis ça roule. Du coup ce qui nous fait deux tracteurs à nous. Et puis après on prend des tracteurs de contrat. Donc du coup ça fait deux tracteurs à nous. Donc une faucheuse, une pirouette, admettons, faut deux tracteurs pour les andonneurs et puis un pour la presse. Ça peut se faire. Et tout dépend combien qu'on est. Parce que si le serveur est blindax, on est 6. Donc à la limite, on peut récupérer un tracteur de contrat. On peut tourner à deux faucheuses, admettons. S'il y a besoin de la pirouette, ben, on prend la pirouette. Ouais, si, ça va aller. Ça va aller. On va se faire un gros... on va se faire du gros chantier de fenaison demain. Et puis ça ira pas mal comme ça. Donc ce qu'on fera, c'est qu'à la limite, on peut faire déjà tous les contrats de foin. Et ensuite, on rattaque sur tous les contrats d'herbe. On peut se faire ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ah, je prépare parce que... C'est vrai que, vous savez, de base, à l'époque où... où soit chacun était tout seul dans sa ferme, ou quand on était très peu... Bah, c'était pas très compliqué de prévoir, il n'y avait rien à prévoir. Mais là, histoire d'occuper tout le monde et que tout le monde joue ensemble, parce que... C'est vrai que de temps en temps, faire comme on a fait, c'était quand mardi, oui, puisque j'ai fait un live mardi à la place de mercredi. Un truc comme mardi, où de base, chacun était de son côté, c'est sympa de temps en temps, mais c'est vrai que bah, des trucs comme les chantiers de patates où on était tous ensemble, je trouve ça bien plus marrant, parce qu'il y en a toujours un pour balancer une vanne à un autre, ou toujours un pouce pour se pendre, comme Rémi l'a fait, et puis faire chier tout le chantier, par exemple. Mais à faire un chantier ou des gros chantiers ou des petits chantiers tous ensemble, je trouve ça vraiment sympa. Donc du coup, voilà quoi. C'est plutôt cool comme ça. Donc là, on peut en profiter qu'il y ait une tripotée de chantiers de pressage pour les faire tous ensemble. Et je pense que ça peut être marrant comme d'habitude. Ça peut être bien marrant. Donc voilà, je pense qu'on fera demain soir. Et puis si on peut tâcher de faire du chargement manuel en bobote, ça peut être cool quand même. Parce que là on a un bâti de fourche sur celui-là, je sais pas s'il y en a un sur le case. Ah bah on n'est pas obligé de tourner à deux faucheuses, je suis con moi s'il y en a un qui charge les bottes. Mais du coup ce qui fait que le 2 tire aux bottes. On verra, écoutez, on veut bien s'organiser, c'est pas la peine que je me casse la tête avec ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc du coup, bah, je pense qu'on fera farming vendredi et samedi. On va pas chercher plus loin. Et puis la semaine pro, on rattaquera Far Cry, mais avec Chris cette fois-ci. Parce que Maki sera parti. Donc on verra bien ce qu'on fait. J'ai toujours pas de sortie de jeu de prévu. Pour l'instant, en tout cas, j'ai regardé dans la liste. Il n'y a rien qui est prévu. Donc on va poursuivre gentiment sur ce qu'on a. Hein. Et j'ai vu que Parc Beyond, ça descendait un petit peu en termes de... Ah, de vue. Oui, non, mais j'ai vu que ça intéressait de moins en moins. Donc je sais pas si on ira au bout de la campagne. Je vais peut-être faire encore... On verra. Écoutez, je regarderai par rapport à ce qui se dit. Soit un Ken et tout. Mais ça se trouve, on fera deux vidéos de Parc Beyond la semaine pro. Et puis après, ce sera terminé, on l'écartera. Et puis mon foi, si on se retrouve qu'avec deux jeux, bon, on fera avec deux jeux, hein. Écoutez, on va pas chercher plus loin. Deux ou trois jeux, on fera qu'avec deux ou trois jeux, le temps de... Parce que de toute façon, en principe, cet automne, ça devrait être beaucoup plus chargé. Et du coup, bah, à ce moment-là, on se retrouvera blindé. Alors, s'il ne change pas d'avis sur la date de sortie de Ark, de toute façon, on ira sur Ark, ça c'est une certitude. Enfin, en tout cas, moi j'irai. Je sais que Maki ira. Je sais que Chris ira de sur aussi. Victo, c'est fort probable maintenant qu'il est de retour. Victo, c'est fort probable aussi. Après, pour ce qui est de John, Rémi et Antoine, ce sera leur bon vouloir parce que je sais que le prix peut les stopper net.
Hein, ça va être cher quand même, c'est quand même un pack à 60 balles normalement, à part s'il change d'avis. Mais c'est quand même un pack à 60 balles. Donc doutez-vous bien que voilà, ça peut freiner effectivement, hein, ce que je peux comprendre. Juju, je devrais y acheter aussi. J'en ai pour 120 balles moi avec ces conneries là. Hein. Il faut que je le paye deux fois. Hein, donc du coup, Juju devrait venir aussi. Après Rémi, John et Antoine, ils feront comme ils voudront. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas. Le prix peut freiner, hein, ça c'est sûr. Donc gros pâté arc, hein, parce que moi bah, j'ai toujours kiffé le jeu auparavant, jusqu'à ce qu'ils mettent le tech tier de ces morts là. Mais c'est vrai que voilà, je suis parti sur Atlas histoire d'oublier un peu Arc, mais je vous avoue que ça me tente de le relancer aussi. Donc ça, Assassin's Creed. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, s'il repousse la date, s'il repousse pas la date, machin, truc. Décembre. Alors c'était décembre, ils ont renlevé la date, mais décembre c'était le croisement SnowRunner American Truck. C'est l'Alaska, je sais plus quoi, Simulator là. C'est un croisement de SnowRunner et d'American Truck. Donc celui-là, je l'attends grandement. J'espère sincèrement qu'il va être sympa. Parce que un croisement American Truck, SnowRunner, moi ça me chauffe de ouf. Et puis en gros morceau, je ne sais plus ce qui était prévu. Il y a John, il me tanne un peu avec Starfield. C'est un peu le même principe que Fallout. Croisé avec je sais plus quel autre truc comme jeu. Moi j'avoue qu'en termes d'image, ça me tente pas du tout. Parce que vous savez, c'est beaucoup de jetpack, de machin, de trucs, c'est pas le truc qui me tente. Et puis faut pouvoir le tirer, hein, parce qu'apparemment ça va être un gros jeu. Le tirer en termes de jeu, c'est pas un problème, mais le tirer en termes de jeu et live, ça va être difficile quand même. Donc faut que je regarde. Et puis après, bah, je ne sais plus. Hein, en gros morceaux, je sais pas. Attendez, on va regarder vite zef dans ma liste de souhaits. On suit là toujours aux abonnés absents, on n'en sait rien. Alors que celui-là me chauffe bien, le Car Manufacture. Celui-là, j'en sais rien. Le Roadiner, on sait pas, on n'a pas de date. Donc c'est celui-là que je parlais, hein, l'Alaskan Road Trucker. C'est pas Simulator. Celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah, c'est pour faire du shit peut-être, non? Ou je sais pas quoi. Le restaurant en est rénovateur, bon, on verra. Là où Slipper 2, oui, si, il y a celui-là. Il y a celui-là. Le Demolish Build, donc j'ai fait la démo, c'est pareil, il me chauffe assez. Celui-là, c'est pas cette année. Celui-là, c'est pour Juju, évidemment. Celui-là, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien, c'est 2025. Ça c'est octobre, mais ça je vous avoue que voilà, moyen hein, quand même. Je l'ai mis, mais je me suis dit, bon. Celui-là qui peut être cool. Ah, le Beer Factory, effectivement. Donc ça c'est pareil, fin d'année. Le Saloon Simulator a déterminé, mais si c'est fin d'année, ça fait quand même ça par-dessus. Ah, 16 août celui-là, faudra que je regarde. Tiens, c'est Thomas qui me l'avait dit. Celui-là, j'avais dit oui, mais finalement. Et puis après, voilà. Non, mais les grosses sorties, c'est surtout Ark et puis. Et puis Assassin's Creed pour le moment. Mais je sais que normalement il est censé avoir des autres trucs fin d'année, donc on va être chargé. Et tant mieux. C'est vrai qu'un planning à moitié plein, ça m'embête un peu. J'avais dit que ça me ferait du bien, puis en fin de compte, ça m'embête, tu vois. Parce que j'aime bien changer de jeu, hein, vous le savez, un peu tous les jours. C'est vrai que de faire toujours les mêmes tous les jours, c'est un peu dommage. Mais bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Après, je peux rajouter un jeu de la liste qu'on avait mis par-dessus, mais Red Dead, je sais pas s'il vaut mieux en live ou en vidéo. Je pense plutôt que c'est un jeu de live plutôt qu'un jeu de vidéo. Donc, écoutez, on verra. On verra, on verra. On a combien de pourcentage du bordel? On va pas pouvoir le finir aujourd'hui, dis donc. Eh ben, j'en aurais fait un petit bout. Je finirai ce soir ou demain si je peux. Ah, je suis qu'à 43%. Ah, faut du temps, hein, mais c'est quand même un gros chantier à 14 000 et des bananes. Donc ça vaut grave le coup. Et j'ai pas compté l'enrubanneuse dans le devis que j'ai fait. Donc on arriverait plutôt sur du
On était à 50 000, on arriverait plutôt sur du 60, 60, 70 000. Donc avec ça, ça aiderait quand même. Par contre, je ne sais pas ce qu'on va faire des outils, on va être obligé d'en mettre dehors. On va plus avoir de place. On se débrouillera. Donc du coup, voilà un petit peu par rapport à ça. Les trucs IRL. J'ai des choses de prévues contre ma volonté samedi. Autant vous dire que je vous le dis toujours, je suis le premier à vous le dire, hein. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît pas, vaut mieux pas le faire quand vous avez le choix. Là, franchement, je me force. Je vais pas vous dire c'est quoi, mais franchement, je me force très très fort. Et ça me pète les baluchons, j'ai envie de vous dire. Donc pareil, samedi, je suis pas là non plus. Samedi après-midi. Donc du coup, bah voilà, s'il y a besoin, comptez pas trop sur moi samedi après-midi. On ne sait jamais. Mais j'assure le live de samedi soir, ça c'est sûr. C'est une certitude. Donc du coup, voilà, bah écoutez, on va stopper là pour aujourd'hui. Moi je vais poursuivre gentiment ce soir, je pense, ou demain. Parce que je pourrais pas aujourd'hui. Et donc du coup, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes habitué en soirée. Et je vous dis à demain pour le live. Des bisous. Ciao.